Rentrée scolaire endeuillée dans la zone rebelle en Ukraine. Une roquette s'est abattue sur un bus à l'arrêt à Donetsk, faisant au moins 6 morts et un blessé selon l'administration régionale de la ville, fief des séparatistes pro-russes. À 500 mètres de là et presque simultanément, un obus est tombé tout près d'une école tuant 4 adultes et blessant 8 personnes. Tout le monde a dû se réfugier à la hâte dans les caves de l'établissement. Selon l'administration régionale, il y avait plus de 200 personnes. L'école est située dans le district Kievski. Dans une autre école, à Makiivka, cette rentrée décalée d'un mois compte tenu du conflit s'est déroulée sur fond de sécurité renforcée et d'inquiétude pour les parents, à l'image de cette mère de famille. Nous pouvons entendre le son des bombardements, mais que pouvons-nous faire? C'est la vie. On a besoin de vivre. Nous continuons à vivre, à survivre, mais tout ira bien. La journée de mercredi enregistre le bilan le plus lourd pour les civils depuis l'accord de cessez-le-feu théorique conclu à Minsk il y a 10 jours entre l'armée régulière ukrainienne, les rebelles pro-russes et Moscou. Il prévoit l'instauration d'une zone tampon le long de la frontière russe, mais les combats restent intenses à l'aéroport de Donetsk.